Je croque la vie à pleines dents en dansant comme une poupée. Hé, hey, faites un don pour la poupée! J'y vais! Quel poirier! Je n'ai rien à envier au cirque! Balance de la monnaie, l'ancien! Oh, tiens! Prenez tout ce que j'ai! Merci! Voyons ce que nous avons aujourd'hui. Enfin, je peux aller faire du shopping. La déesse des poupées! Il faut absolument que j'en achète une. Oh non, c'est bien trop cher. Je ne pourrai jamais me le permettre. J'ai tellement envie de cette poupée. Qu'est-ce que c'était? Voyons voir. Bonjour! Une minute. Cette poupée a besoin d'un grand relooking. Oui, fallons-y. Attention, ma fille. C'est l'heure du bain. J'ai dit attention. Détends. Toi, tu as besoin d'un bon bain moussant. Cette bombe à bulles va te donner un coup de main. Tu vas en ressortir tout propre et tu sentiras bon. Et voilà. Encore des bombes. Ça fait des bulles. Mettez-vous à l'abri. Tu aimes les bulles, Barbie? Elles ne me dérangent pas. D'accord. Prépare-toi pour une séance nettoyage. Gadget prêt, lancé! Combien de temps tu es resté dans la benne à ordures? Tu es si sale! Ne t'inquiète pas, Chou sera très bientôt superbe à nouveau. Merci, mon ami. Il va falloir te frotter ici. Stop! Arrête ça! Calme-toi. Très bien, nous allons rincer. Et tu seras l'air frais du matin. Nom d'un chien. Ce sont des boutons? Il faut percer tout ça. Détends-toi, je suis une pro en la matière. Attention. Waouh, ta saleté ne cessera jamais de m'étonner. Je n'aurais jamais pensé qu'une Barbie puisse avoir autant d'acné. Esquive façon Matrix. Waouh. Barbie, regarde-toi, tu es super propre maintenant. Waouh. Ah. Merci. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Oh mon Dieu! Une opération spéciale est nécessaire. Un morceau de morve en moins. Je dois faire sortir cette morve gluante de là. Burke! Je n'arrive pas à croire qu'une poupée puisse produire autant de slime jaune. Eh bien, assure-toi que ce soit aussi propre que possible. Désolée, j'ai eu une vie dans la rue difficile. Quand est-ce que ça va s'arrêter? On dirait un puits maudit. Allez, morve! Ok, nous avons tout fait sortir. Maintenant, tout est propre. Chérie, j'ai envie de faire pipi. Oh, je ne suis plus en âge de me retenir. Oh non, c'est maman. Je dois te cacher. Laissez-moi te couvrir. Je ne peux plus me retenir. Je vais devoir bircer cette porte. Un, deux. Laisse-moi entrer. Allez, rentre. Tu es sûre de toi? Qu'est-ce que je fais? J'ai un plan. Tu sais que je finirai par rentrer. Maman arrive. Oh, coucou, maman. Maman, je prends un bain. Laisse-moi tranquille. Par tous les saints. Je ne voulais pas te déranger. Désolée, ma chérie. Tiens, quelques fruits. Bon bain. Merci, maman. Elle est partie? Oui, elle est partie. C'était moins une. Oh, des murs. Mon fruit préféré. Ça a l'air délicieux. Tu en veux? Tiens, ça fait tout frais sur mes lèvres. Et c'est aussi très joli sur les lèvres. Terminons ce que nous avons commencé. Les murs font un bon maquillage. Époustouflant. Essayons d'autres baies pour d'autres zones. De la framboise! La couleur est parfaite pour tes joues. Je savais que ça te plairait. Voilà! Waouh! J'adore! Mais il te manque toujours tes sourcils. Oh, je sais. Une brosse pour les sourcils. Essayons celle-ci. On dessine d'abord la base avec le pinceau. Ferme les yeux. Une petite pluie de cheveux arrive. Oh, ça irrite un peu. Maintenant, il nous faut de la couleur. Et waouh, la couleur est fantastique. Je vais ajouter également des jolis nœuds scintillants. Ce n'est pas fini. Maintenant, place à l'amande. Nous devons faire en sorte que tes yeux paraissent plus grands et plus attrayants. L'eyeliner naturel peut nous aider. Nous avons besoin du charbon de cette amande brûlée. On trace une ligne ici avec une petite courbe. Un peu autour de la paupière aussi. Un peu plus ici. N'oubliez pas le cil. J'ai presque fini. Waouh! Waouh! Je me sens magnifique! Oh, tu es superbe! Passons maintenant à la coiffure. Waouh! Ça brille! Beaucoup trop. Je ne vois plus rien. Ah oui, c'est mieux. Attends! Qu'est-ce que c'est que ça?
blond et long. Urk, dégoûtant! Mais attends, cette perruque est faite pour toi! Je ne sais pas. Voilà, mais nous allons la teindre d'abord pour qu'elle corresponde à ta personnalité. 4 bouteilles, 4 couleurs. Waouh! On dirait un arc-en-ciel. Tu vas être magnifique. J'adore teindre les cheveux. Plus de bleu et de violet par-ci, un peu de frottement par-là. Maintenant, on rince bien! Tes cheveux sont presque prêts! Waouh! C'est tellement beau! Tes cheveux sont brillants et lisses. Très jolis! Oui! Waouh! On dirait un arc-en-ciel. Oui, c'est vrai, je suis magnifique. Laisse-moi te brosser les cheveux à nouveau. Wow! J'ai le nez qui gratte! Une plume rose! Waouh! De la décoration pour les cheveux. Fixons-la avec de la colle. Colle, voici plume. Plume, voici la parfaite décoration capillaire. Les plumes rendent tout plus chic! Et c'est fait! Le résultat est encore mieux que ce à quoi je m'attendais. Allez, je vais te montrer ma chambre. D'accord. Allons-y! Où es-tu passé? Je suis toujours là. Oups. Désolée. Ouf, quel exercice! Oh non! Hé! Hey, je suis un crabe! C'est réparable. Ne t'y inquiète pas. Donne-moi une minute. Tu es de retour. Oh mon Dieu! Sans vêtements, ça ne va pas aller. Je vais t'en chercher. Apporte les plus beaux! J'ai deux options à te proposer. Tu fais quelle taille? Extra, extra large! Waouh! Je ne l'avais pas vu venir, il faut que je trouve autre chose. Chérie! Aujourd'hui, c'est ton jour. C'est à toi de sortir les poubelles. Regarde le calendrier. Il est indiqué que c'est aujourd'hui le jour des poubelles. Les ordures doivent être sorties! D'accord, maman. Attends! C'est quoi, la phorie aux déchets? Il y en a tellement! Oh, c'est pas vrai! C'est ça qu'ont les couleurs de l'arc-en-ciel. Oui, tu as raison. Tu es la poupée la plus brillante que j'ai jamais rencontrée. C'est l'heure du recyclage de mode. Commençons par vider ces sacs. Excellent. Maintenant, j'assemble le tout. Jolie jupe. Tada! Oh, quel froufrou! Cela fait un joli haut. Avec un corsage en plus. Maintenant, tu ressembles à Barbie. Une gigantesque Barbie poubelle dans une robe sac poubelle. Tu es magnifique. Mais j'ai froid aux pieds! Oh, tes pieds sont totalement nus. Ah, on peut utiliser ça. Mon cadeau de fin d'année. Je vais devoir vous refaire une petite jeunesse. Ces chaussures ont besoin d'un nouveau look. Un look étincelant. Nous allons utiliser de la colle pour un style glamour. Ces escarpins vont avoir droit à un relooking. Il faut bien mettre de la colle partout. Et le mieux dans tout ça, ce sont les paillettes. Des talons aux orteils, je recouvre ces escarpins de paillettes roses. Parfait. Oh, encore une chose. Une touche d'élégance et de charme avec quelques pierres. Plus ça brille, mieux c'est. Waouh! Des escarpins roses, dorés et étincelants. Je suis un génie. C'est quoi cette odeur? Mets du déodorant! Des plumes roses iront à merveille avec les chaussures. Quelle est l'étape suivante? J'ai besoin d'un guide. D'accord, guide. Montre-moi le chemin de la perfection. Wow! Des petites fées de la mode. Venez ici, petites fées magiques. Ensemble, nous allons créer une œuvre d'art. Et voilà. C'est magique. Regarde, je t'ai fabriqué des chaussures. Wow! Essayons-les. Oups, désolée. Je vais bien. Ce n'est pas grave. Il est temps de montrer tes toutes nouvelles chaussures ornées de papillons étincelants. Waouh! Elles sont superbes! J'adore! Et très confortables aussi. Oh, elles sont encore mieux que je ne m'y attendais. Waouh! Regarde ça! Achetez le nouveau pack beauté Barbie. Il vient avec 3 articles offerts. Waouh! Toi aussi, tu as besoin d'un sac et d'une brosse à cheveux. Oui, oui, oui! Oh, j'ai une idée! Le matelas en mousse peut faire des merveilles lorsqu'il rencontre un esprit créatif, comme le mien. Commençons par découper la mousse en franges, comme ceci. On le roule ensuite jusqu'à ce qu'il ressemble à une jolie fleur. Oh, c'est si doux! Maintenant, je colle la poignée au dos et j'ajoute un joli nœud. Et voilà une jolie brosse à cheveux. Waouh! Oh, c'est tellement agréable!
Ensuite, un morceau de mousse carré. Tu devines ce que ça va être? On ajoute un bouchon et tada! C'est un flacon de parfum. Qu'est-ce que tu penses de ça? Joli! Un rouge à lèvres. Je suis sûre que tu as reconnu celui-là. Oh, qu'est-ce que c'est doux! J'ajoute les détails. Une jolie poignée. Pas mal. Regarde ce que je t'ai fabriqué! Wow! Excellent! J'ai fabriqué tout ce dont une fille peut avoir besoin. Tu peux te brosser les cheveux. Et retoucher ton maquillage. Ce rouge à lèvres est sensationnel. Et un visage bien lisse. Tu me gâtes! N'oublie pas ton parfum préféré. Ça va? Je vais bien. Et n'oublie jamais de vérifier à quel point tu es belle. Je n'y manquerai pas. J'ai oublié quelque chose? Laisse-moi vérifier. Brosse à cheveux, parfum. Je pense que tu n'as rien oublié. Je n'aime pas ce regard. Il te faut des boucles d'oreilles. Oh oui! Les boucles d'oreilles sont comme la cerise sur le gâteau de ton look. Et ce bonbon acidulé a la couleur parfaite. Je vais le plonger dans la résine époxy. Attends. Ensuite, j'utilise une pince à épiler pour le retirer. C'est facile et assez agréable. Oh, regarde la résine scintillante sur sa couleur. Ah, fais-la tourner. Comme ceci. Oh oui! Ensuite, sèche-le à l'aide d'un pistolet à air chaud. N'oublie aucun endroit. Et voilà. Oh mon Dieu, jolie boucle d'oreille. J'ai envie de les lécher. Quelle délicieuse interprétation de la mode. Tu es géniale. De délicieux bijoux. Oh non, tu n'as pas de collier. Voyons ce que j'ai là. Waouh, il est temps de se remettre à l'ouvrage. Je vais transformer ces mini trésors en caoutchouc en un collier unique. J'ajoute des perles pour plus d'élégance. Ce collier est un véritable symbole de mode. Ça te plaît? J'adore! J'aurais l'air tellement chic avec ça! Et comment? Oh, une vraie reine de la mode! Chaussures étincelantes, c'est fait! Le parfait sac à main, c'est fait! Et la jupe. Et le haut. Oh mon Dieu, et ce collier! Barbie, tu es étincelante de beauté. Merci! Qu'est-ce qu'elle fabrique là-dedans? Qu'est-ce que c'est que ça? Une Barbie grandeur nature? Comment c'est arrivé là? Oh, ma chère, on dirait qu'elle n'a plus besoin de toi. Désolée, Barbie. Au revoir. Hé! Hey, oh non! Barbie, tu as une mine affreuse. Tu dois absolument changer de style de vie. Tu devrais arrêter de squatter dans la poubelle. Allez, occupons-nous de ton relooking. Ne me regarde pas. Waouh, qu'est-ce que tu es poilu? On va arranger ça. Voyons voir. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est mentholé. Ce produit va te faire briller en un rien de temps. Et des paillettes. Je veux dire, pourquoi pas? C'est joli, non? Un gommage pailleté rien que pour toi. Prête? Ne bouge pas. Mais je... Ça va aller. Interdiction de parler pendant que le masque agit. Visiblement, tu n'as jamais utilisé de rasoir de ta vie. C'est bon, je m'occupe de toi, ma fille. Tu seras bientôt parfaitement lisse. Ok, tu es prête? Et voici une Barbie lisse et sans poils. Regarde tous ces poils qui s'en vont. C'est incroyable. C'est dingue d'avoir autant de poils. Quelque chose ne va pas? Où est passé mon visage? Non, je suis une poupée sans visage. Oh mon Dieu! Je vais arranger ça. Je te promets. Je vais t'en faire un encore plus joli. Regarde. Hein? Tu plaisantes? Le visage du Joker? D'accord. Essayons autre chose. Allonge-toi et détends-toi, tu veux? C'est juste une question de couleur. Je veux te ramener à la vie. Le maquillage est une forme d'art, tu sais? Et je l'apprête à réaliser un chef-d'œuvre. Encore quelques coups de pinceau. Génial, j'adore. Très innovant. Laisse-moi jeter un coup d'œil. Et tourne-toi. Non, 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 non! Je n'ai pas encore fini. Notre ingrédient magique. Tout moelleux. Un beauty blender. Tu vas voir, ça fait vraiment la différence. On pourrait peut-être que tu vas ressembler à un clown là tout de suite. Mais avec le beauty blender, te voilà reine de beauté. Je crois que j'ai fini. Non, je dois m'occuper de ses lèvres. Quelle couleur tu préfères? Oh là là, difficile de choisir. Celui que là? Excellent choix pour des baisers sucrés et pailletés. Ça te va vraiment très bien. Plus de paillettes, s'il vous plaît. Que ça pleuve, c'est magnifique. Ne regarde pas directement la lumière, s'il te plaît.
Maintenant, tout est prêt. Des lèvres pulpeuses pour une poupée pulpeuse. C'est terminé! Tu veux voir? C'est tout simplement adorable. Regarde comme je brille de mille feux. Et plus de cheveux en bataille. Tu es ravissante. Qui cela peut-il bien être? Vous avez une livraison urgente. Veuillez vous présenter à la porte, mademoiselle. J'arrive! Je me demande bien ce que c'est. C'était trop facile. C'est parti pour une redécoration. La chambre de ma sœur manque un peu de couleur. N'oublions pas par terre! Que fait ce gamin? Oh non, personne ne me tient! Je vais tomber! Qu'est-ce que c'est que ça? Barbie! Hé, ne me touche pas! Qu'avons-nous ici? Tu as besoin d'un peu de couleur, toi aussi. Finis les chevets sans intérêt. Laisse-moi tranquille! Oh, c'est bizarre. Quoi? Mes murs! Hé, toi! Comment oses-tu? Oh non! Ne me fais pas de mal! Je vais te secouer jusqu'à ce que toute la stupidité soit sortie. Non, mais regarde-moi ça! Combien de marqueurs tu as là-dedans? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Je m'en fiche! Tu es méchante! Bon, au moins, il m'a donné une bonne idée! Tu as déjà entendu parler d'heureux accidents? Je vais t'en montrer un. On peut utiliser ces couleurs à notre avantage. Attends de voir ça! Tu es tellement belle en rose! Je me sens très belle en rose. Mes cheveux sont plus beaux que les tiens. Quoi? Oh, mais il te manque encore quelque chose. Je vais ajouter un peu de sucre. Des bijoux à s'en lécher les doigts. Il suffit d'en passer un à la fois. Tu voulais percer tes oreilles? Voilà qui est chose faite. Ça n'a pas fait mal du tout, n'est-ce pas? Et voilà, tes premières boucles d'oreilles. Elles sont magnifiques. Je ne les enlèverai plus jamais. Waouh! Ces boucles d'oreilles sont parfaites. Et l'association de... Oh, qu'est-ce que c'est? Tu vois ce que je vois? Ces talons sont adorables. Et ce manteau est à tomber par terre. Je veux ressembler à ça. Je m'en doute. Comment faire? Barbie célèbre, ce n'est pas si facile que ça. Ce n'est pas à la portée de tous. Kitty, tu es plus belle que ta poupée. Qui, moi? Tu es trop gentille. Je ne serai jamais aussi belle que vous deux. Oh non, la télévision. On dorait qu'elle a se cassé. Barbie, s'il te plaît, ne pleure pas. Regarde-moi, je suis un désastre. Ne dis pas ça. Barbie, ne pleure pas. Tout va bien se passer. On va trouver une solution. Hé, hey, tu as besoin d'aide? Je crois que tu peux nous aider. Oui, je peux emprunter ça? C'est si doux, comme de la soie. Vais avoir besoin de beaucoup plus que ça. Voilà qui est mieux. Mets ça, Barbie. Ce modèle devrait aller à merveille. Tu vois? Mais est-ce que je peux la faire tourner? On dirait que oui. Une jupe rien que pour moi. Trop cool. Nous avons réussi. Joli travail. Merci, l'araignée. J'ai été poignardée. Ne bouge pas. Ça va faire un peu bizarre. Enlève-moi ça. Tu es sauvée, tu vois? C'est pour ça que je porte des chaussures. Il est temps qu'on t'en fabrique une paire. Fabricant de chaussures. À la rescousse! C'est juste un pistolet à colle. La colle va former une chaussure parfaite. C'est chaud, n'est-ce pas? Et voilà! Une fois qu'elle a durci, on peut construire le talon. C'est assez haut pour toi? Ne t'inquiète pas, on va les faire briller. Maintenant, on se coupe. Et à ton tour d'aller défiler. Je ne veux pas manquer ça. Vas-y, Barbie, tu vas assurer. Ces chaussures, les miennes ne sont pas aussi jolies. Attention, tout le monde. Je suis passée de la poubelle au podium. La voilà, magnifique. Plus de poils, juste de l'élégance. Les autres Barbie feraient bien de prendre des notes. Parce que je suis ici pour rester et vous en mettre plein la vue. Et bonne chance pour trouver une Jeep comme la mienne. Elle a été conçue spécialement pour moi. Regarde ça. Une maison de rêve. Quelqu'un a dit maison de rêve? Je suis fauchée, Barbie. Je vois ça. Il faut que je trouve une solution. Ou au moins, je vais faire semblant de chercher. Et regarde. Une minute. Youhou! Regardez toutes ces boîtes en carton. Barbie, Barbie, attends une seconde. Si je... Très bien. Une petite idée maintenant, peut-être? Je sais. Je vais construire une maison avec ces boîtes. Voyons voir, je plie ici. Et je coupe par là. Et voilà! Terminé, viens voir.
Tu appelles ça terminé? Il faut des fenêtres pour avoir beaucoup de soleil. Que ferais-tu sans les doigts de maçon? Tu veux vivre dans une boîte sans intérêt? Beau travail! C'est maintenant que les choses sérieuses commencent. Une touche de couleur s'impose. Et le rose est toujours un excellent choix. Regarde! Est-ce que c'est une éponge? Si moelleuse. C'est parfait pour le lit de Barbie. Voici la charpente du lit. Ça maintiendra le tout en place. Est-ce que ça n'a pas déjà l'air agréable et douillet? Un lit digne d'une belle aux bois dormant. Il faut beaucoup de coussins, bien sûr. Super! Maintenant, ma partie préférée. Un romantique baldaquin. C'est magnifique. Mais je n'ai pas encore tout à fait terminé. Un peu de paillet par ici. Et voici une superbe petite table de nuit. Elle possède même de minuscules tiroirs. Parfait. Mais qu'est-ce qu'une table de nuit sans lampe? Comment lire tes livres sans lumière? Et la partie supérieure? Adorable! Y a-t-il des trombones là-dedans? Parce que j'en ai besoin! Mais pas pour du papier. Peux-tu deviner ce que je prépare? Je te donne un indice. C'est pour ranger dans le placard? C'est ça, des cintres. Pour tes fabuleuses tenues. N'oublions pas un petit tapis douillet. Très agréable pour les orteils. Tu vois? Mais je vois encore du marron. Heureusement, j'ai des restes de papier que je peux utiliser. Ce coin vide est maintenant une piscine. Ne t'inquiète pas, je vais ajouter de la vraie eau. Je dois juste d'abord construire l'extérieur. Tu as maintenant un peu d'intimité. Très bien. Et maintenant, de l'eau. On dirait une vraie piscine. Un escalier pour te faciliter la tâche. Et je sais que tu aimes toujours avoir un peu d'ombre. Ce jardin est tout simplement adorable. J'adore! Hé! J'ai une surprise pour toi. Tu es prête? Tout ça pour moi. Un lit à baldaquin. Et ma propre garde-robe. On est loin de la Barbie Pouble. J'ai même un jardin. Tu trembles tellement, tu es contente. Non, j'ai juste envie de faire pipi. Est-ce qu'il y a une salle de bain? Quoi? Je suis censée faire où? Par terre? Sérieusement? C'est pas vrai? J'ai oublié la salle de bain, mais je peux arranger ça. Voilà, j'ai juste besoin de ce truc-là. Et un siège pour ce popotin, bien sûr. J'y suis presque. Désolée, j'ai été distraite. Et voilà, tes toilettes sont prêtes. Ça devrait rentrer parfaitement. Oh, Dieu merci. Oh là là, ça va là-dedans? Ça a l'air plutôt puissant. Tu avais vraiment envie. C'est coloré? Les crottes de Barbie sont colorées. Quel soulagement. Attends un peu. On est Pads le 7 aujourd'hui. J'ai un rendez-vous ce soir. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne suis pas prête pour un rendez-vous. Est-ce la Barbie de Tinder? Elle est plus belle que sur les photos. J'aurais dû apporter un cadeau. Des fleurs devraient lui faire plaisir. Comment tu as pu oublier? C'est bon, je vais t'aider, Ken. Il faut toujours apporter des fleurs lors d'un rendez-vous galant. Même si elles sont tout petites. Il suffit de couper ici, mais pas jusqu'au bout. Ensuite, on tord le papier, comme ça. Ensuite, on utilise du fil de fer pour le maintenir en place. Trop facile! On continue jusqu'à ce que ça ressemble à une fleur. Un bouquet! Un peu de papier pour le rendre joli. Barbie va adorer. Tu m'as sauvé la vie. Rien ne va plus. J'espère qu'elle va aimer. Barbie, c'est toi? Pardon? Bonjour, Ken. C'est trop mignon. C'est pour moi? Elles sont bien moins belles que toi. Ce jardin est incroyable. Je pourrais rester ici toute la journée. Qu'est-ce qu'il est ennuyeux dans la vraie vie? Toute cette construction m'a épuisée. Non! Les gars, votre rendez-vous est ennuyeux à mourir! Mais je peux faire en sorte que ce soit un peu plus amusant. Et voilà! Maintenant, où est mon stylo à colle chaude? C'est ici que les choses deviennent vraiment intéressantes. Il ne me reste plus qu'à remplir le milieu. Je conseille d'utiliser un motif en zigzag. Bon, j'ai presque fini. Maintenant, dans l'autre sens. Ça te rappelle quelque chose? Ce sont des raquettes de tennis. En d'autres termes, notre remède contre l'ennui. Prêt à jouer?
J'ai trouvé une balle. Voilà, tout y est. Qui veut jouer? Moi. Sympa. Je n'ai plus sommeil. Montre-moi ce que tu sais faire. Ah! Tu es si fort. Je vais chercher la balle. Elle n'a pu aller bien loin. Où est-ce qu'elle est passée? Je t'ai trouvé. Il était temps. Qu'est-ce que tu es, toi, au juste? Et tu as de sacrés dents! Je vais juste pondre cette balle. Tout doux! Ne t'inquiète pas. Je ne fais que passer. Vous ne croirez pas ce qui vient de se passer? Attends, une seconde. À qui Ken est en train de parler? D'où vient-elle, celle-là? Personne ne s'approche de mon homme. Non! Je n'en reviens pas! Et je lui ai fait un stupide gâteau! Il ne mérite pas cette gâterie en chocolat! Au revoir, Ken. Nous en avons fini avec toi. Au moins, le gâteau est bon. Tu ne le méritais pas de toute façon. Pas de gâteau pour toi? Non, désolée. Je vais recommencer à zéro. Avec un glaçage bleu cette fois. Ce sera encore meilleur qu'avant. Tu vas avoir. N'oublions pas l'écouter. Onctueux comme du beurre. Pas mal. Et pour la touche finale, jette un coup d'œil à ce design sympa. C'est tellement hypnotique. Maintenant, il est temps d'ajouter de la couleur. Je vais en ajouter sur les côtés. Ces jolies gaufrettes sont parfaites. Tout autour. Et au-dessus? Un peu de gélatine, peut-être? Hé, on dirait une piscine. N'est-ce pas magnifique? Et l'ingrédient secret est... la vengeance. Oh, Ken! Oui? Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-elle? Personne ne s'approche de notre Ken. Les filles, ce n'est pas ce que vous croyez. Dans l'eau bien froide. Maintenant, le gâteau est parfait. Un régal pour l'été. Et on ne la reverra plus jamais. Où est-elle? Ken, tu ne la trouveras pas là, dedans. Je pense qu'elle est allée se baigner. Qu'est-ce que c'est que ça? Waouh! Quel gâteau! Est-ce que tu as vu ma sœur? Non. Je n'ai rien vu. Désolée. Je suis sûre qu'elle va bien. Allez, c'est l'heure du dessert. Délicieux! Laissez-moi manger un morceau. C'est sa chaussure. Ce n'est pas bon du tout. Peu importe, personne n'en saura jamais rien. Bref, vous avez mangé tout le gâteau. Je ne peux plus bouger. Regarde, elle roule sur elle-même. Elle est adorable. On n'a qu'à la garder. Viens ici, petit chiot. J'adore. Vous êtes adorables tous les deux. Je vais vous faire un cadeau. Et je sais quoi faire. Tout d'abord, je vais découper des pailles. J'ai mon pistolet à colle chaude à portée de main. Il suffit d'en mettre tout le long sur le côté de la paille. Ensuite, on la colle rapidement à une autre et on continue jusqu'à ce que ça ressemble à ceci. Tu vois ce petit morceau pliable? C'est pour les coins. Parfait. C'est parti. Maintenant, la barre supérieure. Parfait. J'ajoute ces poutres pour soutenir le tout. Et on obtient une balançoire. Le chiot peut aller dessus. Ça te plaît? Tu es mignonne. Je me sens vraiment chez moi maintenant. Viens, ma chérie. Je peux enfin me détendre. Une seconde! Je sens quelque chose d'autre. Qu'est-ce que c'est? Burk! Du caca sur la nouvelle balançoire. Je ne pense pas. Je n'ai besoin que de cette petite boîte. Parfait! Je peins l'intérieur en rose. Même les côtés. Il faut que ce soit une couche bien épaisse. Et voilà. Je mets de la colle sur l'extérieur pour coller une bande pailletée, bien sûr. C'est pour le chiot de Barbie, après tout. Super! Il faut maintenant que je la remplisse de sable. Ce vieux rocher, peut-être? Pas tout, mais un tout petit peu. Une pluie de cailloux. Maintenant que la boîte est pleine, le chiot peut faire 16 besoins. C'est bien! Tu as réussi! Joli travail! Et maintenant,
Qu'est-ce que je vais faire de ça? J'ai une parfaite petite pelle à caca. Maintenant, sors d'ici! Trop facile, non? À la poubelle! Besoin d'un apport en sucre maintenant. Les bonbons. Que se passe-t-il? Est-ce que ce sont des boutons? Oh non! Oh ma fille, regarde-toi. Aide-moi! Qu'en penses-tu? Tu as des boutons, oh mon dieu! Comment ose-t-il? C'est bon. J'ai la solution. Reste allongé ici. Essaie de te détendre. D'accord. Tout d'abord, nous allons appliquer le masque facial à la colle. Il faut couvrir toute la zone des boutons. Oh, c'est un peu collant et frais. Tout à fait. Ajoutons quelques paillettes pour faire ressortir l'éclat. Tu vas bien? Ouais, ça va. Attention aux yeux. Il est maintenant temps de le décoller. Doucement. Voilà. Oh, vilaine mèche de cheveux, va-t'en. Il faut faire quelque chose. Waouh, Barbe, cela va être parfait pour les cils. Je parie que Ken tombera amoureux lorsqu'il te verra avec ça. Cela ne fait pas mal. C'est ce que tu penses. Détends-toi, le résultat en vaudra la peine. Il faut souffrir pour être belle. Oh mon dieu. Coupons-les un peu. Les cils violets sont la nouvelle tendance, tu sais. Encore un à faire et on aura fini. Waouh, ils sont géniaux. Ils sont beaux sous les deux angles. À mon tour de t'aider. Ce masque va te faire briller. D'accord, je vais l'essayer. Waouh, je vois déjà l'éclat de ce produit. Wow, attends un peu. Tu seras à moi. Oups, je n'ai pas besoin de ça. Nous y voilà. C'est si doux. Cela fait un peu cosmique, tu ne trouves pas? Des paillettes, des étoiles. Oh, waouh! Fais un petit massage pour te détendre. C'est fait, enlevons ça. Facile. Waouh, je pensais que ça allait faire mal. Ça ne fait pas mal du tout, les gars. Je sens l'éclat s'infiltrer dans ma peau. Parfait. Là, là! Pourquoi tu ris? Oh, qu'est-ce que tu as sous le bras? Une Barbie avec des poils d'aisselle? Cela devrait suffire. Ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de ça pour toi. Tu es la championne des astuces. Prête. Tire. Deuxième aisselle. Les aisselles sans poils. Bien. Pose-moi au sol. Je crois avoir vu quelque chose. Je dois m'en assurer. La voilà. J'avais raison. Une moustache. Nous avons besoin de ça. Tu es sûre? À 100% sûre. Prépare-toi, bébé. Ne bouge pas, ça va être rapide et facile. Cela fait tout de même un peu mal. Waouh, très lisse. Je sais que tu seras satisfaite. Tiens. Oh, qu'est-ce que c'est, un tatouage de papillon? Je n'en ai jamais eu auparavant. Essayons-le, une moitié à chaque extrémité. Il faut tapoter un peu pour que ça colle. Voyons le résultat. Waouh, incroyable! Oh, mes yeux sont jolis maintenant. Oh, ils peuvent être encore plus jolis. Utilise un simple mouchoir en papier si ta brosse a disparu. Nous avons besoin de couleurs qui complètent les tatouages de papillon. Un bon maquillage attire vers nous notre crush, pas vrai, Nikki? Aujourd'hui sera une bonne journée pour les yeux. Waouh! Qu'est-ce que tu fais? Oh mon dieu, Ken! Tu me manques tellement! Ces tatouages sont tellement avant-gardistes! Donne-moi ça! Donne-moi mon Ken! Oh, c'est un beau gosse! Je t'ai apporté des tatouages à toi aussi. Waouh! Fais en sorte que j'ai l'air cool! Laisse-moi m'en occuper. Chaque partie du corps mérite un tatouage cool et mignon. Regarde-toi! Tu es très sexy! Je me sens mignonne! Oui! Il est temps de se faire les ongles! Oh, j'adore me faire dorloter! C'est peut-être un peu chaud, cependant. Je peux tolérer ça. Nous allons les couper à une bonne longueur. Nous ne voulons pas qu'ils fassent du mal à ton Ken. Et poser un vernis à ongles de ta couleur préférée. Oh, j'adore le violet. C'est fait. Ah, regarde mes magnifiques ongles. De quoi ai-je l'air? Tu es superbe, ma fille. Merci. Oh, j'ai une idée. Je dois la raccourcir. Ouh, un peu plus court peut-être. Focus, hocus pocus. C'est ce qu'il me faut. Un magnifique petit bracelet orné de pierres précieuses. Il devrait te convenir, Barbe. Voilà, il s'adapte parfaitement. Magnifique, je l'aime beaucoup.
Wow! Oh mon Dieu, tu as l'air si belle! Oh, tu es si gentille! Qu'est-ce que c'est? Oh non! Oh, désolée! Laisse-moi juste... Qu'est-ce qui se passe? D'accord, nous avons besoin d'un outil. C'est le seul moyen. Bien sûr que non! Je ne te laisserai pas faire ça! Reviens ici, mademoiselle! Oh non! C'est un désastre! Je répare tes cheveux! C'est la seule façon de procéder! Ah, oh, trop lent! C'est beaucoup plus rapide avec ça! Mes beaux cheveux blonds! Super, allons te chercher de nouveaux cheveux! Ken ne peut pas me voir comme ça! Ne t'inquiète pas, Barbe! Tes nouveaux cheveux seront fabuleux! Le bleu est le nouveau blond! Les leçons de couture de grand-mère sont finalement bien utiles. Je n'aurais jamais pensé que ta tête était pleine de petits trous. C'est tellement inconfortable. Tiens bon, nous y sommes presque. Tu es toujours chauve. Donne-moi plus de cheveux. Waouh, regarde-toi avec des cheveux fabuleux. D'accord, remettons la tête à sa place. Ah, maintenant, brossons tes cheveux. Regarde-moi ça, ça marche! Encore quelques étapes. Oh, joli style! Oh, j'adore! Je t'avais dit que ça marcherait, ma fille. Et ça, c'est pour moi. J'ai hâte de voir à quoi ressemblent mes cheveux. Il faut que je le fasse. Je mets les cheveux. Oh, c'est trop cool! Je les tire à travers le trou de la tresseuse. Voyons maintenant comment cela fonctionne. Oh, mon Dieu, des cheveux! Waouh! Incroyable! Je n'ai jamais vu de tresse comme ça de ma vie! Cela continue jusqu'à ce que la mèche soit recouverte de fils colorés. Oh, c'est trop cool! Hé, ma fille! Oh. Ceci est pour toi! Ouais! Wow, je suis soudain sous l'influence de l'esprit de Simone Biles! Tu as besoin d'une laque colorée! Vaporise-la avec un pochoir sur tes cheveux! C'est bien! Oh, c'est très joli! Vraiment? Waouh! Barbie, j'adore! Oh, regarde-moi! Qu'est-ce que c'est? Mes vêtements sont tout sales! D'accord, je vais te trouver de nouveaux vêtements. Je compte sur toi! Aouh! C'est de l'eau chaude? Préviens-moi au moins avant de verser l'eau, d'accord? Oh, désolée, c'est de ma faute! Oh, waouh! Tu es tellement belle! Je me sens magnifique! Ah, mon prince! Il faut que je me fasse des vêtements! Oh! Il a pris mon portefeuille. Qu'est-ce qu'il porte? Il a pris ma veste aussi. Suivez-le, monsieur l'agent. Quel jour maudit. J'adore cette couleur. Où sont les ciseaux? Ah, mettons-nous au travail. Je coupe en ligne droite. Facile. C'est fait. Cette partie fera une jupe. Oh, j'adore ce genre d'astuce. Danse, danse. Et voilà. Ouh! Pas mal! Et la veste! Oh, merci! Et toi? Ah! Waouh! Tu aimes ma tenue? Merci à 5 minutes craft pour ce look cool! Oh! J'ai besoin de ça! J'ai une idée géniale avec cette fleur de douche! Cela remplacera ces chaussettes moches! Un style proche de Harajuku, je dirais! N'oublie pas que les strass rendent tout encore plus fabuleux. Tu aimes ça? Peux-tu m'aider? Tu veux la même chose? Je peux le faire. Les jambes en l'air, de petits talons et des chaussettes roses compléteront parfaitement ta tenue. Tu as l'air d'une icône de la mode. Ma fille, tu es magnifique. Nous le sommes toutes les deux. Allons à l'école. Bravo! C'est ainsi que l'on fait son entrée quand on est génial. Je plaisante pas. Mec, tu vois cette fille? Oh, qu'est-ce que c'est? Elle est super modèle. Bisous, bisous, bébé. Oh, qu'est-ce que c'est? Quelle impolitesse. Bonjour, t'es une nouvelle étudiante? C'est toi. Veux-tu le grand sac de déjeuner? Joli. Salut. Abonnez-vous pour en savoir plus. Reviens.